technologique. Donc, pour la caméra, là, je viens de brancher la caméra. Donc, le modèle TGR, bon, ça c'est théorique, hein, mais très important, la représentation qui nous a été soufflée par Vygotsky, l'expérience de Farrenford concernant justement la stabilité des images et la subitisation, donc c'est la perception immédiate. Et la perception de quoi en l'occurrence? Cette perception immédiate, elle concerne quoi? La quantité, non? Oui, quelle quantité? 1, 2, 3. Et voilà. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Donc, c'est ce qui est important. Et notamment, la subitisation. Mais on va parler des deux. Hein? Donc, ici, ce qui est important, c'est la représentation mentale. Et la stabilité des images. Donc, la stabilité des images, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, contrairement à ce que l'opinion pense, ou même les enseignants, dans l'enseignement, on dit la diversité des présentations est, est source d'enrichissement pour les élèves. C'est faux, probablement. En maths, il faut absolument privilégier une image pour une notion. Et cette image, eh bien, c'est l'enseignant qui doit la fournir. On ne peut pas, ou l'apprenant, le formateur. Cette image, on ne peut pas la laisser au choix de l'apprenant, de l'enfant. Et c'est pour ça que le boulier est très important. Donc la subitisation, vous avez compris que c'est la perception immédiate. Je vais prendre un exemple qui est le plus grand, hein, peu importe. Hein, Anna, l'eau chaude au robinet, c'est à gauche ou à droite? Ah, Anna ou Zacharia, hein, l'eau chaude au robinet, comment? À gauche. Voilà, tu le sais. Eh bien, moi je le sais. Je peux le retrouver, mais j'ai des difficultés en ce moment parce que le plombier a installé dans ma cuisine, a fait des branchements et il s'est trompé. Il a inversé. C'est-à-dire que dans ma cuisine, j'ai l'eau chaude à droite et partout ailleurs, j'ai l'eau chaude à gauche. J'ai deux images, c'est ce que dit Farrenford. Quand on a deux images concurrentes, eh bien, le cerveau, il efface tout. Donc, c'est compliqué de donner... Ah, t'as pas compris? Eh bien, je vais te le présenter comme ça. Ah, tu comprends toujours pas? Ah, ben, je vais te le présenter autrement. Tu comprends pas? Ah, ben, je te le représente d'une troisième manière. Ça, c'est dramatique. Donc, en maths, il faut privilégier la stabilité des images. Et donc, bon, c'est parce que j'ai retenu une bonne fois pour toutes que c'était à gauche. Mais en ce moment, je suis perturbé du fait de l'erreur du plombier. Donc, c'est très important de n'avoir qu'une image. On peut raccrocher d'autres images ensuite, mais il doit y avoir une image principale. Hein. Et cette image principale, eh bien, on va voir que pour le boulier, hein, c'est les quantités 1, 2, 3. Oui, donc le reste... donc, voilà. Alors, vous avez bien noté quand même la représentation avec les mains, tout le monde. Hein? Avec les deux mains. Eh bien, on a montré donc, que c'était la même chose au boulier. Hein? Donc, ici, c'est 4. Hein? Je ne vais pas reprendre. 1, 2, 3, 4. 4, on dit que l'image de 4, eh bien, c'est comme... c'est comme avec les chiffres en romains, l'image de 4, c'est ça. Alors que les Romains, comme les Chinois, qui le faisaient à l'horizontale, oui, à ce sujet, il y a une conférence à 16h. Je vais peut-être vous mettre l'adresse, je ne sais pas.
Oui, il y a une conférence à 16h, ça pourrait être intéressant. Est-ce que j'ai une adresse? Je vais mettre l'adresse peut-être. Au tableau. Je ne suis pas certain d'avoir l'adresse. Les adresses ici, c'est sur YouTube. Comment je pourrais faire pour récupérer l'adresse? Comment je peux faire? Oui, ben avant de vous quitter, on la récupérera, je pense, sur mon disque dur tout à l'heure. Hein. Donc, 4, c'est ça, c'est la distance de 1 à 5. En chiffre romain, c'est ça que ça veut dire. Hein, c'est-à-dire que l'ancienne représentation des Étrusques, eh bien, ils l'ont remplacée par ça. Ça, c'est « je vois une perle qui n'est pas activée, donc le complément à 5, c'est 4. » Voilà, c'est le raisonnement que l'on doit tenir au boulier. Il faut absolument voir les images au boulier. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Ensuite, si je veux représenter... par exemple 8 ou 7, hein, si vous voulez, 7, comment je représente 7? Eh bien, 7, c'est la main gauche. On peut même identifier la perle ici comme étant la main gauche, hein, 7, c'est ça, avec deux doigts. Donc, au niveau de la représentation, tout le monde a bien compris, jusqu'à 10, ça pose pas de problème, hein. Une main, c'est exactement la même chose, et on peut dire 7, on peut dire une main et deux doigts. Hein, et puis très rapidement, il faudra passer à une quinaire et deux unaires. Tout le monde est d'accord avec cette représentation? Si je veux représenter 8, alors vous voyez que je désactive à chaque fois. Hein. Il est hors de question pour représenter au boulier, par exemple, 8, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est hors de question. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi, d'après vous, il ne faut pas faire 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? Hein, on en parlera dans une autre séance. Mais quand vous faites 5, 6, 7, 8, 9, qu'est-ce qu'on est? On est dans le numéro, on n'est pas dans le nombre. Hein. Ce n'est pas une quantité, c'est un numéro. Hein, comme... Et c'est pour ça que l'apprentissage en maternelle, par la litanie, qui d'ailleurs, l'éducation nationale a demandé ça depuis les années 87, maintenant, ils reviennent un peu en arrière, c'est une catastrophe. Parce que quand on annonce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... du fait en plus des irrégularités de la langue française, eh bien, ça pose un problème parce que les enfants n'identifient pas le passage à 10. Hein. Et le passage à 10, hein, quand on le représente 9, 9 c'est ça, tout le monde voit bien, les enfants, tout le monde voit bien. Est-ce que tout le monde peut se représenter en fermant les yeux 9 comme étant... une perle qui n'est pas activée, moi je la vois, hein, quand je ferme les yeux, je vois cette image, la perle qui n'est pas activée, 4, je ne peux pas le voir, hein, puisqu'on a dit qu'on ne pouvait voir que 1, 2, 3. Donc, une perle pas activée, donc c'est 4, hein, on est dans la même logique que là. On montre 1 et on montre une main. On montre 1 et on montre une main. On dit que une perle non activée, c'est 4. Donc, avec une main, c'est 9. D'accord? C'est ça la logique. Hein, est-ce que en fermant les yeux, vous voyez ça, les enfants? Fermez les yeux. Est-ce que vous voyez le boulier avec une perle qui n'est pas activée? Anna, par exemple. Est-ce que tu le vois? La perle qui n'est pas activée. Les 4 perles, est-ce que tu les vois? Celles qui sont activées. Normalement, on les voit, mais groupés. On ne peut pas savoir s'il y en a 4. Hein, on ne peut pas les compter. Donc, une perle pas activée, donc c'est 4.
Et est-ce que tu vois la main au-dessus, la chimère? Tu la vois la main? En fermant les yeux? Anna, toujours? Tu la vois la main? Oui. Cette paire? Ça, c'est absolument important. Hein? Au boulier, on va voir maintenant que dans les représentations, en fermant les yeux, il faut pouvoir voir les mains et les doigts, hein, donc les... D'accord. Alors, après, vous voyez que pour 10, c'est particulier. Vous voyez qu'avec les mains, je peux faire 10 comme ça. Une main et 5 doigts. Hein. Une main et 5 doigts. Et vous voyez qu'il n'y a pas de doigts repliés hein, dans ma main droite. Hein. Donc, main gauche, 5 doigts, et je peux échanger 5 doigts contre la main droite. Hein? 5 doigts, je peux échanger contre la main droite. Et j'ai 2 mains. 2 mains, c'est le cas ici. Et les 2 mains, alors je ne sais pas si on a vu l'autre jour l'échange avec le papa ou la maman. Et donc, cet échange, comment on peut l'effectuer quand on a les 2 mains, vous savez, on check avec le petit copain ou le papa ou la maman, et puis le papa ou la maman ou le petit copain, ils ont 10 doigts, donc on n'a pas besoin, ils peuvent mettre leurs mains dans les poches, les mains dans leurs poches, ils ont pas, on sait qu'ils ont 10 doigts. Donc on a échangé 2 mains, et ça libère les 2 mains de celui qui comptait justement, ou qui dénombrait, on échange 2 mains qu'on donne à son petit copain, par exemple, et le petit copain va représenter la dizaine, d'accord, hein, le petit copain ou la voisine, hein, quand on étudiera la soustraction, on parlera aussi de la voisine. Donc, 2 mains échangées contre une dizaine, et à ce moment-là, la main est libérée, bien évidemment, hein, la main de celui qui comptait, et... Je continue. Alors là, je vais peut-être donner les numéros. Hein. 11, hein, pour aller plus loin, puis pour que ça soit comment, logique. Donc, qu'est-ce que j'ai affiché là? Qu'est-ce que j'ai affiché, Arthur ou Lilou, là? C'est que je n'ai pas eu encore au téléphone. Qu'est-ce que j'ai affiché? Lilou, qu'est-ce que j'ai affiché? Je vous entends pas. Allez, Anna, qu'est-ce que j'ai affiché là? Comment? Non. Surprise, hein? Si, je vous embête. Hein. On affiche 11, mais... Malheureusement, vous savez peut-être pas, mais la langue française est pleine de difficultés pour la numération. Il y a 36 difficultés. 36 jusqu'à 100. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Il y a 36 difficultés. Quand vous dites 11, c'est compliqué parce que c'est un nouveau mot. Quand vous dites 12, c'est compliqué parce que c'est un nouveau mot. Quand vous dites 13, c'est compliqué parce que c'est un nouveau mot. 13, c'est un nouveau mot. Quand vous dites 14, c'est un nouveau mot. Quand vous dites 15, c'est un nouveau mot. J'échange contre la quinaire. Quand vous dites 16, c'est un nouveau mot. Et quand vous dites 10, 7, ah, surprise. Là, c'est régulier, il n'y a pas de nouveau mot. 10, vous connaissez, 7, vous connaissez. Donc, quand vous dites, je recommence, 11, vous savez ce que c'est. Hein. Si je vous dis que la logique voudrait que l'on dise 10, 1, ça ne va pas vous perturber, vous savez que c'est 11, mais ça vous éclaire, parce que ça montre le passage à 10. 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5,
10, 6, et après ça devient régulier, 17, d'accord? Donc, cette double, on peut nommer les nombres de deux façons différentes. La façon officielle, hein, ça vous avez vu que c'est 17, ça c'est 16, ça c'est 15, etc., ça c'est 14, mais on peut dire 10, 4 aussi. Les parents, vous pouvez tout à fait dire 14 ou 10, 4, ça est clair. Hein, parce que je ne vous dis pas les complications que les difficultés de la langue française apportent. Hein, je ne vais pas revenir sur les classements que vous avez vus passer il y a quelques jours. Eh bien, c'est dû en partie à cette histoire de 36 irrégularités dans la langue française. Alors qu'en chinois, il n'y a aucune irrégularité. Dans les langues slaves, il n'y a aucune irrégularité. Dans les langues anglo-saxonnes, il y a deux irrégularités, hein, au lieu de 36. Hein. Dans les langues en espagnol, je crois qu'il y a 5 irrégularités. Hein. En italien, je crois qu'il n'y en a pas. À part le français, alors ça se comprend. Hein, les enfants sont perturbés par toutes ces irrégularités et on va voir encore la pire tout à l'heure avec 70, 80 et 90 qu'on nomme complètement de façon idiote. 70, 80, 90, c'est pas idiot puisque ça vient tout ça de la façon que l'on avait à nommer en celte, vous voyez, ça remonte à il y a 2000 ans, et on s'est battu dans les années 2010 avec l'éducation nationale était d'accord pour revenir, ça s'appelle la numération de Condorcet, hein. L'éducation nationale était d'accord, l'Académie des sciences était d'accord, mais on a été contré par Michel Serres, qui est décédé depuis, hein, personnel, mais qui nous a bloqué, qui a bloqué le passage donc à l'Académie française, le passage à la numération de Condorcet. Voilà, donc on reviendra, on va essayer de le redemander, mais c'est complètement loufoque. Hein. C'est cause de beaucoup de difficultés chez les enfants, et je ne vous dis pas les enseignants quand ils doivent apprendre tout ça. Voilà, donc la numération, vous avez des images qu'il faut absolument fixer. Hein. Et ces images, alors on va peut-être reprendre les images de la numération. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous regarderez, il faudrait que je mette, où est-ce que je pourrais mettre quand même cette adresse, parce qu'on va en parler cet après-midi, à 16h. Ou alors vous allez Institut Confucius de Pau, et vous allez trouver le lien. Institut Confucius de Pau, dans le 64. Hein. Vous regarderez si je ne peux pas vous communiquer d'ici là l'adresse, si ça vous intéresse, vous allez donc Institut Confucius de Pau et vous allez trouver le lien pour. C'est sur Skype, je crois, donc vous allez trouver le lien facilement. Hein. Donc, ça, qu'est-ce que c'est que j'ai écrit au tableau? Les enfants, par exemple. Qu'est-ce que j'ai écrit au tableau? Bon, les parents peuvent répondre. Oui, aussi, mais c'est surtout. 16, 27, 38, 49 et. Alors, ça, ce sont des nombres, d'accord? Ce sont des nombres. Alors, effectivement, 49, par exemple, ça, c'est un nombre qui est constitué de deux chiffres. 4 et 9, que j'ai écrit là. Ça, ce sont les chiffres arabo-indiens ou indo-arabes. Et ces chiffres, est-ce qu'ils ont... quand je vous dis cheval, qu'est-ce que vous pensez, les enfants? Qu'est-ce que vous avez comme image en tête? Un cheval. Un cheval. Un cheval, ça a combien de pieds? 4. 4, hein, on dit pied pour un cheval. Hein. Ça a combien?
Voilà aussi, le sabot. Hein. Combien de queues? Une. Bon, une crinière, etc. Donc, vous voyez l'image du cheval. Hein? Quand vous dites cheval, vous voyez, vous connaissez le mot et vous voyez aussi l'image. Tout le monde est d'accord? Eh bien, quand vous lisez, c'est quoi ce chiffre? En fait, c'est aussi un nombre. Hein? Donc là, vous voyez le chiffre, on appelle ça le chiffre arabe, vous voyez le chiffre, et est-ce que vous voyez la quantité ou le nombre en face? Hein, comme, est-ce que vous avez l'image du cheval? Est-ce que vous avez l'image de la quantité en face? Non. Et non. C'est ça qui est très compliqué. Et on va en parler ce soir. Ça, c'est une construction abstraite à partir de symboles qui ne veulent pas dire, par exemple, si 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, ça, c'est la quantité. Eh bien, quand vous fermez les yeux, vous ne pouvez pas avoir cette quantité. Donc, vous construisez les mathématiques à partir de symboles, alors que avec le boulier, hein, je vais peut-être représenter ce nom, là, ce n'est pas un chiffre, c'est une représentation de la quantité. Hein. Donc, quand vous avez, après, vous pouvez couper le micro, hein. Qu'une fois. Donnez-moi ce nombre ou cette quantité. Quel est ce nombre? 13. Non. N'oubliez pas la main hein, au-dessus. 18, hein. Donc, ce nombre, c'est 18. Aujourd'hui, vous avez tendance à avoir l'image des chiffres, qui ne veut rien dire, hein, pour la quantité. Vous voyez l'image des deux chiffres, et il faudrait voir l'image de la quantité au boulier. Hein. Fermez les yeux, est-ce que vous voyez 18 au boulier? Fermez les yeux. Il ne faudrait pas, il faut désapprendre cette image. Bien sûr, vous allez la garder. Hein, vous savez comment ça s'écrit 18. Mais il faut apprendre à avoir cette image en tête. Parce que qu'est-ce qu'elle dit, cette image 18? Fermez les yeux. Est-ce que vous voyez 18? Donc, vous le voyez en trois fois. Hein. Vous devez voir d'abord une dizaine, ça c'est facile. Vous devez voir ensuite pour 8, vous devez voir d'abord une quinaire et ensuite vous devez voir 3 unaires, 3 doigts, hein, une main et 3 doigts. Est-ce que tout le monde en fermant les yeux, vous voyez ça? Une dizaine. Donc il faut, à chaque fois que vous travaillez au boulier, il faut absolument fermer les yeux et vous représenter l'image du boulier. Pourquoi? Parce que cette image du boulier, elle vous dit quoi? Elle vous dit qu'ici, il y a 3 doigts. Et sur les 5 doigts que vous avez, il y en a combien qui ne sont pas activés? Eh oui, l'œil, il voit tout ça. Il voit 3 doigts activés et 2. C'est-à-dire qu'on est dans cette configuration. 2 doigts, 3 doigts activés, et 2 doigts repliés, d'accord? Et vous devez voir aussi la main gauche, hein, qui n'a pas de doigt, donc la main gauche qui n'a pas de doigt replié, hein, vous devez voir cette main gauche aussi. Et donc, cette image, vous devez privilégier cette image par rapport à celle-là, d'accord? Celle-là, vous n'allez pas l'oublier, hein, puisqu'on vous a appris comme ça à l'école, vous n'allez pas l'oublier. Mais ce qui est important, c'est pour le calcul mental, c'est cette image-là. Donc, je continue.
je continue, par exemple, je vais écrire des noms, hein, plutôt que de compter comme on le fait à l'école, hein, je vais vous écrire des nombres et puis vous interroger. Je désactive tout et voilà, je vous écris un nombre, on dit inscrire, hein, on vous dit. Je vous inscris un nombre et vous me donnez quel est ce nombre. Vous me nommez ce nombre. Combien ? 36. Tout le monde est d'accord, les enfants, là ? Oui. Bon. Zacharia, t'es d'accord ? Oui. Bon. Alors maintenant, fermez les yeux, est-ce que vous voyez 36 ? Parfaitement, on le voit parfaitement. Hein ? On le voit parfaitement. Pas ça, pas 36, hein ? Hein, 36, vous savez l'écrire, hein. Mais les trois perles, on voit même un peu les couleurs, hein. Mais les couleurs, c'est pas important, hein. C'est juste quand on, pour vous repérer. Je sais pas, il y en a qui ont des 13 colonnes? Non? Est-ce que quelqu'un a des 13 colonnes? Oui. 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 Alors, vous avez bien compris que la colonne des unaires, c'est toujours la colonne jaune. Donc, la colonne des unités, c'est la colonne jaune. Hein. Et puis, on se repère à partir de la colonne jaune. Ça, vous aviez compris. Et à droite, hein, à droite, dans votre sens, à droite, c'est pour les décimales, quand vous en serez au nombre décimaux, mais c'est au CM1. En fin de primaire, au CM2. Hein. Donc, voilà. Donc, vous, 36, tout le monde le voit bien en fermant les yeux. Je vous inscris un autre nom. Hein. Je vous inscris un autre nom. Et là, c'est là qu'on va rigoler. Quel est ce nom ? 42. Qui c'est qui, qui a 6 ans ? Niveau de Lilo et Arthur, il doit y en avoir un qui a 6 ans. Qui c'est qui a 6 ans? Comment? 9 ans. Ah non, ça oui, c'est 9 ans, c'est vrai. Ah, c'est les jumeaux, c'est vrai. C'est ça? Oui. Ouais. D'accord. Bon. 122. Comment? Là, c'est 122. Pas du tout. Pas du tout. Alors. 72. Voilà, mais vous savez comment je dis, moi? 72, d'accord? Ça, c'est ce que l'école vous dit, mais normalement, il faudrait dire 72. Parce qu'après 60, il y a 70, il y a 80, il y a 90. Hein, les Belges ou les Suisses, d'ailleurs, l'utilisent. C'est beaucoup plus intelligent. Mais vous voyez que 71, enfin, je veux dire, 71, 72, 73, 74, et bien tout ça, 81, 82, 83, etc., 91, 92, 93, et bien ça fait 30 irrégularités. Hein, donc, c'est absurde, hein, et c'est incroyable qu'au niveau d'un pays, on reste bloqué, et pour emmerder, pour embêter, pour embêter des millions d'enfants, hein, et qui apprennent. Nous, on est habitués. Bon, ça ne nous pose pas de difficultés. Mais mettez-vous à la place d'un enseignant qui doit expliquer le passage de 69 à 70. C'est complètement irrégulier. Hein, 69, alors, 70 encore ça va, mais 80, je ne vous dis pas. Hein, expliquer 80 à un enfant. C'est absurde. Donc, là, moi je dis 72, mais vous savez que 72, c'est 72, hein, puisque, donc, par convention, on utilise encore 70 et 72. Et puis, je ne vous dis pas pour les autres francophones qui... tiens, quelqu'un arrive...
Oui, chez Laurent Matière, alors. C'est pas le nom que j'avais. Oui, bonjour. Alors, je suis le mari de Aurélie Cellier. Je D'accord. voulais savoir si la. Puisque sur l'invitation, on a à la fois 9h et 10h, on voulait savoir Non, si. non, 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 non. Non, c'est ce que j'ai expliqué. Vous avez vu CE 10h? Eh ouais, non, ça c'est le titre. Hein. Bon, faudra qu'on change de titre. C'est le titre de la formation. Sur l'invitation, bon, c'est l'invitation Webex, c'est effectivement pas très clair, mais c'est bien 9h. Hein. Et hein, CE 10h, c'est le titre. Mais vous n'êtes pas le premier, je comprends pas. Dans votre groupe, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas posé de problème, mais dans votre groupe, vous êtes trois à avoir douté de l'heure. Bon, Ah ben. bah c'est sûr que si je vois c'est 10h, je me dis que c'est 10h. Eh Sans avoir ouais, regardé, eh ouais. Mais si c'est c'est le. 3 9h, bon. Eh oui, c'est le titre de la séance. Hein. Et donc, on le changera hein, de façon. C'est la quantité d'heures de la formation. Alors, vous recevrez donc lundi ou mardi l'enregistrement. Hein, donc vous récupérerez sur l'enregistrement. Hein. Continuer Ouais. à siffler, du coup. Bien sûr, hein, bien sûr, hein, bien sûr, bien sûr. Donc, alors, effectivement, les sept tombes. Et là, qu'est-ce que vous lisez ici, les enfants? Comment ça, chez Laurent, là, comment s'appelle? Alors, j'ai deux fichiers. Comment s'appelle l'enfant? Ah, Aurélie, c'est Aurélie, Aurélie. 88, c'est ça. Donc, chez Laurent, là, votre fille, c'est comment? Rose, non? Non. Ah, c'est Louis. Louis. Louis qui a 7 ans? Et Ouais. j'ai Anaïs qui a 6 ans qui est à côté de nous et qui participe également. Parfait. Parfait. Donc, ben, vous regardez l'enregistrement, hein, vous aurez ça en deux fois. OK. Alors, donc, 88. Et comment je dis, moi? Hein, qui est la logique. Qu'est-ce que je préfère dire pour 88? Et dans la vie de tous les jours, je le dis, hein, pour... Comment? J'ai pas compris. 88. Eh oui, 88, hein, c'est plus clair, hein. 8, 88. C'est beaucoup plus clair. Voilà. Mais sachez que 8 en 8, la maîtresse, elle dit 88. Hein. Donc c'est là qu'il faut écouter, mais sachez que c'est plus clair quand on utilise la numération de Condorcet. Voilà, alors, la numération de Condorcet, malheureusement, il est mort en 1794, hein, sous la Révolution. Il s'est suicidé ou on l'a suicidé en prison. Et quand il s'est fait arrêter, vous savez, c'était les nobles, on les appelait les ci-devants pendant la Révolution. Il est rentré dans une auberge et il a commandé une omelette. Vous savez, on servait toujours les omelettes avec des pommes de terre. Hein. Et le garçon de salle lui a demandé une omelette, mais de combien d'œufs? Et il a dit, il a hésité, et puis il a dit, une douzaine d'œufs. Et le garçon de salle, il est allé en cuisine et il a dit, c'est un ci-devant. Parce qu'il n'est jamais allé en cuisine, il ne sait pas ce que c'est une omelette de 12 œufs avec des pommes de terre. Donc, il s'est fait arrêter de cette façon. Ça, c'est ce qu'on dit, hein. Je n'ai pas vérifié. Mais malheureusement, donc, il n'a pas pu imposer la numération de Condorcet, qui est la numération que je vous cite. Alors, pourquoi il faut avoir ces images? Donc, tout le monde a bien compris, ça c'est quoi? Hein, puisque il y a des grands. Hein, quel est ce nombre? 232. Ah non, doucement, doucement. Alors, vous voyez, vous avez le premier réflexe, c'est d'oublier les quinaires. Voilà, 237. Alors, fermez les yeux. Est-ce que vous voyez 237?
137. Est-ce que vous voyez? Oui. Hein, on arrive très bien à les voir. Quand on a l'habitude, on lit aussi facilement au boulier que avec l'écriture chiffrée. C'est aussi rapide. Donc prenez bien l'habitude, quand vous travaillez au boulier, de toujours vous représenter l'image. Hein, c'est absolument fondamental. Donc, vous avez l'image. Alors, à quoi ça sert cette image? À quoi ça sert le boulier? Eh bien, on va en parler ce soir à la conférence là, mais est-ce que tout le monde sait faire du vélo? Oui. Bon. Non. Oui. Oui, non, il y en a qui vont apprendre. Eh bien, le vélo, mais vous regarderez sur le site, si vous ne pouvez pas assister à la conférence, on en parle sur le site, donc il y aura un compte-rendu, hein, vous allez retrouver ça, sur le site d'édition Abacus, dans la rubrique blog, blog et nouvelles, je ne sais pas quoi. Quand on apprend à faire du vélo, on apprend très vite, hein, ça va très vite pour apprendre à faire du vélo. Ou quand on apprend à marcher. Est-ce que quand vous apprenez à marcher, quand on apprend à ses enfants à marcher, est-ce qu'on dit il faut soulever la jambe gauche, retrouver son équilibre éventuellement en étirant les bras, on allonge la jambe gauche, ensuite on pose la jambe gauche, et enfin on lève la jambe droite, on tire la jambe droite, on propulse la jambe droite vers l'avant, on pose la jambe droite, et on continue comme ça, on peut rétablir son équilibre en étendant les bras, etc. Est-ce que c'est comme ça qu'on apprend à marcher? Le vélo, c'est pareil. Eh non, hein, on n'apprend pas à marcher comme ça. Et pourtant, la logique voudrait que on explique aux enfants qu'il faut faire comme ça. Hein. Et pourquoi on ne fait pas comme ça? Eh bien, on ne fait pas comme ça parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle, que l'on a de façon innée, la proprioception. Alors les enfants, vous n'allez pas retenir ça. Hein. La proprioception, c'est ce que font tous les kinés. C'est quand vous êtes assis, eh bien, vous n'avez pas besoin de vous regarder. Vous savez que vous êtes assis, vous n'avez pas besoin de vous lever, de vous retourner, de vous regarder. Quand on est debout, quand on marche, quand on court, etc., quand on nage, on sait qu'on fait tout ça. Et ça, c'est quelque chose d'inné, qui s'appelle la proprioception, et qui permet de marcher, de faire du vélo, sur un fil, par exemple, hein. C'est la proprioception, c'est l'équilibre, si vous voulez. Le corps connaît son équilibre, et donc on apprend à marcher, on apprend à faire du vélo. Eh bien, aujourd'hui, comme je vous ai parlé des chiffres qui sont des symboles, eh bien, aujourd'hui, on apprend le calcul, la numération, on l'apprend en faisant ce que je viens de faire. C'est-à-dire, on dit, après 7, il y a 8, on ajoute 1, et on voit le chiffre 7, et on voit le chiffre 8, etc. Et à 10, après 10, il faut... Voilà, ça s'appelle un apprentissage par l'abstraction. Ça s'appelle un apprentissage une représentation concrète. Vous voyez qu'entre les deux, il n'y a pas photo. Hein. C'est-à-dire que là, eh bien, ça sera beaucoup plus rapide que l'apprentissage avec les chiffres qui ne veulent rien dire. Enfin, c'est une abstraction. On est obligé d'apprendre aux enfants qu'après 7, eh bien, il y a 8, etc. Alors que là, on le voit immédiatement au boulier. Hein. Pourquoi l'apprentissage au boulier? Donc, c'est que la numération, l'apprentissage de la numération et du calcul est beaucoup plus rapide, et on verra pour les calculs, ça permet de comprendre ce que l'on fait dans un calcul, mais aussi le calcul mental. Je vais faire un graphique pour les parents. Donc, ça, c'est le boulier. Hein, apprendre à représenter les nombres et à faire les calculs au boulier. Ça, c'est le calcul mental.
calcul mental, ou le calcul en général, mais le calcul mental plus particulièrement, eh bien, le boulier, à partir du moment où vous avez la représentation de 7 avec une main et deux doigts, ou une quinaire et deux unaires, vous savez qu'il y a le complément à 10 qui est 3, hein. Vous n'avez pas à l'apprendre, ça se voit, hein, c'est concret. Et donc, vous avez chaque fois que vous représentez un nombre, vous avez le complément à 5 et le complément à 10. Hein, c'est ce qu'on appelle les compléments. Bon, c'est peut-être pas des termes que vous utilisez à l'école, hein, mais vous le voyez bien au boulier. Hein, pour aller à partir de 7, pour aller à 10, vous voyez bien qu'il y a 3 paires. Hein. Donc, dans les images, vous avez cette représentation-là. Et donc, cette représentation-là, imagée, avec le boulier, si j'avais un feutre rouge, oui, ici. Donc, cette représentation-là au boulier, vous voyez que le boulier vous permet de démarrer le calcul mental. Hein. C'est-à-dire que quand on va voir l'étape d'addition, eh bien on va dire 7 et 6, par exemple, eh bien on va dire 7 et 3 pour passer à 10, et 3 pour faire 13. 7 et 6, 13. On va décomposer l'étape d'addition. Au lieu de les apprendre par cœur, 7 et 6, 13, 7 et 7, 14, etc., on décompose avec le boulier le passage à 10. Donc vous voyez que le boulier va vous permettre de voir que entre 7 et 10 il y a 3 et que si vous avez 6 à ajouter, il faut encore ajouter 3. Donc cette décomposition, eh bien, vous permet de démarrer le calcul mental. Et puis ensuite, en calcul mental, eh bien, vous allez progresser, vous allez apprendre à faire des additions, des soustractions en calcul mental. Hein, on va le voir dans les prochaines séances. Mais à partir d'un certain moment, quand vous allez être à l'aise au boulier et que, en même temps, vous allez être à l'aise en calcul mental, à partir d'un certain moment, eh bien, on verra que le calcul mental, eh bien, va lui-même vous apporter des formules pour le boulier. Donc, à partir d'un certain moment, le boulier, je crois qu'on m'avait posé la question, le boulier, à partir d'un certain moment, il ne va plus servir à rien, puisque vous aurez le boulier dans la tête, parce que vous saurez calculer mentalement. La manipulation, c'est au début, mais après, ben après le boulier, ben vous aurez le droit de le mettre dans un tiroir dans votre chambre. Mais au départ, il faut bien sûr le manipuler. Le boulier, il est sur la table de la salle à manger. On manipule de façon à initier le calcul mental. Et après, c'est le calcul mental qui va continuer avec le boulier si besoin, sans le boulier si c'est pas la peine. Hein, on peut continuer sans le passage au boulier, bien sûr. D'accord ? Et quand on en sera au calcul mental, à ce moment-là, les chiffres, hein, j'écris 238, moi je vois 238 au boulier, hein, je le vois, mais et les enfants, vous devez le voir, hein, 238 écrit au boulier. Mais à ce moment-là, pour le calcul mental, eh bien, les chiffres vont à nouveau s'imposer. Parce que c'est plus facile de se représenter l'image des chiffres que l'image du boulier, quand vous voulez aller vite. Hein. Donc ça sera un raccourci, mais un, on fait le boulier, deux, le calcul mental, et après le calcul mental, on va le poursuivre avec les chiffres. D'accord ? Tout le monde est d'accord ? Oui. Hein ? Ça vous semble logique, cette approche ? Oui. Hein ? Alors, si ça semble logique aux enfants, bon, les parents sont d'accord, parce que 238, vous n'aurez plus besoin de l'image du boulier pour savoir qu'entre 238 et 240, il y a 2. Hein. Mais au départ, c'est quand même bien pratique d'avoir l'image du boulier. Donc, le boulier, c'est ça. Le boulier, une question aussi que l'on m'a posée lors d'une conférence, mais à quoi ça sert le boulier? Qui est-ce qui utilise le boulier? Et effectivement, le boulier, on ne l'utilise plus dans le
les marchands ne l'utilisent plus, hein, maintenant, bien évidemment, depuis des décennies. Mais au plan pédagogique, c'est l'image première de la numération. Il n'y a pas d'autre instrument qui permet de se représenter les quantités au départ de façon simple. Hein. Il n'y a que le boulier chinois qui permet ça. Hein. Même les autres bouliers, certains connaissent les autres bouliers ne permettent pas tout ce que le boulier chinois permet. Hein. Donc il y a un boulier, c'est le boulier chinois. Le reste, c'est moins performant, contrairement à ce que dit Internet. Hein. Vous savez, quand vous êtes expert dans un domaine, eh bien, vous vous rendez compte que beaucoup de choses qui sont sur Internet sont fausses. Hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à part la représentation du nombre? On a fait à peu près le tour. Hein. Vous imaginez bien qu'il faut manipuler. Hein. Toute cette semaine, le boulier doit chauffer dans les foyers. Hein. Des questions? Qu'est-ce qui... Ouais, bah c'est papa, quel type d'exercice et combien de temps par jour il faut faire Alors, on travaille, donc après, si vous voulez rejoindre l'association, hein, on travaille actuellement sur un livre d'exercices. Et alors on est sympa, on le fait à la fois pour le surpan, donc notre boulier, et puis le soroban. Et on constate très souvent que c'est vraiment pas pratique le soroban, et pour le calcul mental. Donc on travaille sur un livre d'exercices, mais ce livre d'exercices, hein, bon, il n'est pas encore disponible, donc à charge pour vous de trouver des exemples simples, hein, on est habitué. Mais c'est vrai que quand on cherche des exemples, on prend toujours les mêmes, donc on a des générateurs, mais je vous les enverrai. L'informaticien Sébastien, si d'ailleurs il a, si vous avez l'occasion de critiquer, n'hésitez pas. Donc pour les additions, on va envoyer des tableaux Excel, tableur. Donc pour que vous voilà, que ça génère des nombres ou que vous puissiez évaluer, etc. Vous allez recevoir ça dans les semaines à venir. Donc pour cette semaine, eh ben, il faut une heure par jour, quoi. Hein. Hein, à différents moments, hein, tous les prétextes sont bons pour calculer. Hein, une heure par jour, ça va. Puis l'enfant, lui, il peut continuer. Hein. Au lieu de regarder la télé, vous le collez derrière, vous lui donnez quelques calculs. Alors c'est vrai que tant qu'on n'a pas fait les additions, c'est un peu limité, quoi, hein, de représenter. Mais les additions, c'est pas bien compliqué. Hein. Vous pouvez peut-être, ceux qui ont avancé un peu, vous pouvez passer aux additions aussi. Hein. La numération. Hein, cette semaine, la numération, donc c'est obligé de le faire à deux. Un qui vérifie et l'autre qui, hein, dans les deux sens, hein, le parent et l'enfant, l'un inscrit et l'autre vérifie, et vice versa, d'accord? Mais j'ai une question. Oui. Quand on écrit par exemple 238, oui, on commence d'abord par les... Oui, oui. Non, il vaut mieux commencer par les unités. Parce que toutes les écritures anciennes, le chinois, maintenant ils ont inversé, hein, mais le chinois se lisait de droite à gauche, et puis de haut en bas en plus, le chinois se lisait de droite à gauche. Le brahmi, je crois, se lisait de droite à gauche. L'arabe se lit de droite à gauche, etc. Et c'est Fibonacci au XIIIe siècle qui a tout chamboulé pour faire comme l'écriture romaine, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Mais il a tout chamboulé, c'est-à-dire que on commence à écrire les grands nombres et ensuite les petits nombres, c'est-à-dire qu'on est à l'opposé de l'axe, hein, si vous voulez. Quand on est sur un axe, hein, l'axe des abscisses pour les scientifiques, eh bien, on commence à écrire 1, 2, 3, etc. On écrit de la gauche
en commençant par les petits nombres. Hein, on ne commence pas par les grands nombres, bien évidemment. Et donc, prenez l'habitude d'abord d'inscrire les unités, ensuite les dizaines, ensuite les centaines. Mais comme au niveau de la lecture, on le fait dans l'autre sens, qui est le sens officiel, ben, il faut savoir faire dans les deux. Mais c'est quand même mieux de commencer par les unités, on verra pour les additions, par exemple. On commence toujours à partir de la droite. Hein. Donc, commencez par les unités. Autre chose ? Oui, excusez-moi, ça va peut-être paraître idiot comme question. Non, non, il n'y a pas de question idiote. Les livrets qui nous ont été envoyés avec le boulier, on fait quoi avec ? On travaille comment ? Le livret ou le livre ? Le livre. Les deux, en fait, il y a un petit livret. Ah oui, peut-être un petit livret. Ça, c'est bon, quand vous aurez avancé. Le livre, on va s'y référer en permanence. Hein. Le livre est le support de cours. Vous avez même reçu le support de cours. Donc, on va s'y référer, pas en permanence, mais c'est pour devenir expert, hein, le livre et le boulier. Là, normalement, avec les 10 heures de formation, ben, vous saurez le minimum. Mais on va se référer, malgré tout, au livre et au support de cours. Le support de cours, là, on doit être dans le livret 2 de mémoire. Hein. Donc, pour la prochaine fois, lisez le livret 3. Je crois que, comme c'est indiqué d'ailleurs, je vous l'indique, il me semble, dans le programme, hein, il y a deux colonnes où on indique les pages du livre et les pages du support de cours. Donc, c'est pour les parents, hein, si vous voulez aller un peu plus vite ou découvrir certaines choses, parce qu'il y a des exemples. Donc, référez-vous au livre et au livret. Ok ? Voilà. Bon, je vais vous abandonner jusqu'à la semaine prochaine. S'il y a d'autres choses, hein, parce qu'il y a un cours après à 9h. Donc, s'il y a d'autres choses, à 9h05 plus exactement, s'il y a d'autres questions, vous me les posez par Internet, mais rapidement, là, si quelqu'un a encore quelque chose à demander. Ouais, moi, c'est juste, parce que savoir quand est-ce que finalement, on a fait la commande mardi, je crois. Quand est-ce qu'on pense qu'on est les bouillers qu'on attend. Ah, c'est chez Sébastien. Ah oui, oui. Alors... Pour savoir sur nos actions, notamment l'organisation d'un concours national de calcul mental, rejoignez-nous sur inumérisme.fr. Et pour tout ce qui concerne les bouliers, sur édition-abacus.com.